toujours faire ce que l'on veut. Est-ce une raison pour ne pas être heureux? Quoi qu'il arrive, il faut faire de son mieux pour que chaque instant que l'on vive devienne merveilleux. Des matins, j'ai pas envie d'aller à l'école. Dans mon lit, je suis bien et j'ai encore les yeux qui collent. Mais bon, faut se lever. Ça fait trois fois que le réveil sonne. Prendre un bon petit déjeuner et pas m'endormir dans mon bol. On ne peut pas toujours faire ce que l'on veut. Est-ce une raison pour ne pas être heureux? Par moment, j'ai pas envie de ranger mes jouets. Ça sert à rien, ça perd du temps, puisque je vais tout redéballer. Mais bon, faut que je le fasse. Ma chambre est en pagaille. Mettre chaque chose à sa place et finalement faire des trouvailles. On ne peut pas toujours faire ce que l'on veut. Est-ce une raison pour ne pas être heureux? Quoi qu'il arrive, il faut faire de son mieux pour que chaque instant que l'on vive devienne merveilleux. Bon, nous c'est vrai, y a des jours, j'ai pas envie d'aller me doucher. Il fait froid, au secours, c'est sûr que je vais grelotter. Mais bon, faut bien se laver, avec du savon, c'est vrai, c'est mieux. La chose à éviter, c'est la mousse dans les yeux. On ne peut pas toujours faire ce que l'on veut. Est-ce une raison pour ne pas être heureux? Quoi qu'il arrive, il faut faire de son mieux pour que chaque instant que l'on vit devienne merveilleux. Parfois mes parents, j'ai pas envie de les écouter. Je suis champion bien évidemment quand il s'agit de les faire enrager. Mais bon, je dois me calmer avant que la colère ne se réveille. Finir par écouter pour pas faire tirer les oreilles. Que l'on vive devient merveilleux.